Bonjour Alexandra Jousset. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous du Club Lamartine euh, qui est diffusé en vidéo sur YouTube et en podcast sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Euh, Madame Alexandra Jousset, vous êtes journaliste, vous avez étudié à Sciences Po Paris. Exactement. Exactement. Euh, Aujourd'hui, vous êtes réalisatrice euh, et entre autres, vous avez fait le documentaire que vous venez de signer avec euh, Kenya... Senia. Kenya. Kenya Bochakova. Bo euh, Bo Boschakova, voilà, je... <laughs> euh, euh, qui euh, un excellent documentaire qui a été diffusé sur France Télévisions, euh, qui s'appelle France 5, v euh, France 5 euh, Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine. Dans ce documentaire, vous, ré vous révélez le fonctionnement de, cette, de, de ce groupe de mercenaires euh, qui a fait son apparition en Ukraine en 2014 au moment de l'annexation de la Crimée et de la guerre du Bombass est ce que c'est ce groupe et pourquoi a été créé ce groupe de mercenaires ben, le, enfin, Il y a une raison plus globale. En tout cas, la première raison pour laquelle ça a été créé, il est apparu dans le Donbass donc en 2014. Euh, ses premières missions, c'était d'éliminer les chefs séparatistes pro-russes qui prenaient trop de place dans le Donbass. Donc, euh, même si c'est une armée euh, de l'ombre au service de Poutine, on voit que le, le premier but était surtout d'éliminer ceux qui prenaient trop de place et qui voulaient faire de l'ombre à la Russie, paradoxalement, alors que c'était eux-mêmes des soutiens de la Russie. Euh, et puis petit à petit, en fait, au début, c'était un groupe de 300 hommes, euh, qui était dirigé par le commandant qui est toujours à sa tête d'ailleurs, qui s'appelle Dimitri Houtkin, qui est un ancien des forces spéciales russes. C'est de là que tire le nom Wagner, parce que c'est son nom de guerre en fait. Euh, lui est un admirateur du Troisième Reich euh, et, euh, et il est euh, et, et lui en fait est le, le premier à avoir emmené ses hommes se battre avec lui dans le Donbass. Et ensuite, ça s'est transformé vraiment en une armée, c'est-à-dire avec beaucoup d'hommes grâce au soutien et au financement d'un homme qui s'appelle Evgeny Prigogine. Et, euh, et en fait, le but plus global que juste les quelques missions qu'ils avaient d'abord dans le Donbass, c'est un but enfin c'est il est double en fait à viser pour l'international pour l'extérieur de la Russie et pour le public interne à la Russie en fait pour l'international le but c'est ce qu'on appelle la plausible deniability donc le déni de plausibilité c'est un concept qui a été créé par la CIA d'abord et qui ensuite a été repris à son compte par Vladimir Poutine et l'idée c'est vous pouvez envoyer des hommes sur tous les terrains de combat, euh, en Libye, euh, enfin partout où ils ont été, en Syrie, dans, en Crimée. Et s'il se passe quoi que ce soit, si vous êtes épinglé par la communauté internationale, s'il y a des crimes de guerre, euh, ou si simplement, d'ailleurs, vous ne voulez pas ouvertement soutenir une partie dans un conflit, et que des hommes russes se font attraper, vous dites, mais ce pas nous, euh, c'est un groupe privé, c'est Wagner. Euh, par exemple, en Syrie dans l'attaque de, de Rezor, donc une, une attaque qui, qui a fait beaucoup de bruit dans les médias, notamment anglo-saxons, où il y a plus de 200 mercenaires de Wagner qui sont morts en Syrie, euh, et ben, la porte-parole du Kremlin avait dit, mais euh, nous, on ne les connaît pas, ces Russes étaient des touristes, euh, d'où en fait, leur surnom à un moment de, de touristes euh, ». Et, et en fait, ça, c'est vraiment un des premiers buts très importants de l'existence du groupe Wagner. Et le deuxième, c'est évidemment... Euh, enfin, pas évidemment, mais c'est vis-à-vis des Russes eux-mêmes, en fait. Depuis euh, les guerres d'Afghanistan et les guerres de Tchétchénie, euh, les Russes supportent très mal la perte euh, d'hommes, de, de soldats, et euh, du coup, dans les conflits extérieurs, dans les, sur les terrains extérieurs, euh, ce qui est un peu différent de l'Ukraine, d'ailleurs, enfin, on en parlera peut-être mmh. plus mais donc, euh, donc voilà, et, et donc, en fait, c'est une façon d'avoir des hommes qui partent au combat, et si vous avez des morts... Eh bien, vous pouvez les cacher, et vous pouvez les, les cacher à la population civile. Et ça, c'est euh, une des visées aussi euh, politiques internes importantes pour, pour Wagner et pour Vladimir Poutine. Parce que dans un premier temps, euh, en Ukraine, au moment de la guerre du Bombas, l'armée russe était rentrée sans écusson, si je ne me trompe pas. Euh, oh. Poutine avait dit que ce n'était pas ses hommes, mais c'est la même chose que Wagner, ou c'était deux techniques différentes C'était deux groupes non, différents mais... Non, c'est la même chose. Il faut, il faut aussi, par exemple, dire une chose importante c'est que Wagner, c'est un des groupes militaires privés. Donc, déjà, les sociétés paramilitaires sont interdites en Russie. Elles sont illégales. Donc, euh, théoriquement, par exemple, le premier groupe, le Slavius Corpus, qui, est, qui était l'ancêtre de Wagner, qui a commencé d'abord en Syrie, quand les hommes sont revenus à Moscou, ils ont été arrêtés ils ont été envoyés en prison. C'est illégal. Euh, en fait, il n'y a évidemment pas du tout que Wagner. Là, on voit, par exemple, aujourd'hui, dans le conflit qui est en ce moment en Ukraine, il y a énormément de différentes PMC, Private Military Contractor Russes. Et euh, Wagner, c'est devenu celle qui est la plus connue, la plus emblématique, euh, celle qui est évidemment la plus, avec la, la plus nombreuse, euh, mais il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Euh, donc est-ce que les premiers qui sont arrivés ceux qu'on a appelés les petits bonhommes verts euh, voilà est-ce que c'était des gens de Wagner oui pour certains d'autres non ça peut être d'autres groupes militaires privés d'accord et donc c'était aussi des gens de l'armée parce que derrière Vladimir Poutine a reconnu que finalement c'était des gens de l'armée euh, oui, après, après. après coup mais ce groupe Wagner a été créé s'est auto-créé et après il a été récupéré en fait il a été créé non, c'est le Slavus. Slavus enfin, D'abord, il y a eu ce corps slave qui a été créé. Et, et ensuite, il y a eu, une fois qu'il a été dissous, Houdkine en faisait partie. Une fois qu'il a été dissous, Houdkine a, a créé son propre régiment, si vous voulez, son propre groupe. Mais pour en faire une armée, pour vraiment que c'est autant de liens, autant de, de logistique de l'armée, là, on, nous, on estime, et les autres chercheurs, qu'en fait, Evgeny Prigogine a été désigné parmi les oligarques proches du pouvoir, pour être celui qui allait financer. Euh, pour aller financer Wagner c'est pas son idée à la base c'est pas l'idée à la base d'Evgeny Prigogine on lui a un peu si vous voulez refilé le bébé quoi. on lui a dit ça il va falloir le financer et en faire une armée euh, c'était pas sûr au début que vraiment lui d'ailleurs soit tout à fait d'accord avec ça mais en échange de, de, de ce financement il a eu des contrats extrêmement importants il a notamment eu les contrats de toutes les cantines scolaires ce qui représente des contrats énormes en Russie et surtout toutes les cantines de l'armée et oui. il continue, par exemple, partout en Russie, vous avez ces boutiques de l'armée euh, russe où vous pouvez acheter ah. des sweatshirts, des trucs. Tout ça, c'est géré par Evgeny Prigogine, par exemple. D'accord. Donc euh, voilà, c'est une façon de le rétribuer pour les services qu'il euh, rend. Les services qui rendent. Ça Alors, on, vous montrez à un certain moment dans cet excellent euh, documentaire, euh, ils, ils interviennent en, en Syrie. Mmh. Et là, euh, c'est la première fois où les, les troupes étrangères, on va dire, sont confrontés à cette milice, euh, à ces mercenaires. Mmh. C'est la première fois qu'ils sortent du giron russe. Oui, enfin, c'est en tout cas, euh, euh, en fait, au début, la Syrie, ils y vont pour, en tout cas, eux vendent ça dans leur marketing. Ils y vont quelque part pour une noble cause. Ils devaient être du même côté que nous parce qu'ils se battaient contre Daesh. D'accord. Euh, en fait, en réalité, ils se battaient pas contre Daesh. Ils, enfin, ils se sont battus contre Daesh. Hein, Palmy, ils ont ils protégé le pouvoir. Euh, mais ils ont surtout aussi protégé le pouvoir, en fait. Donc, il y a un moment où ceux qui attaquaient le pouvoir c'était Daesh, et puis il y a un moment où ceux qui ont attaqué le pouvoir euh, c'était euh, c'était les, les rebelles euh, syriens. Et du coup, ils se sont aussi battus face à eux. Donc, c'était une, une double enfin euh, une double casquette, si, si je puis dire. Euh, la fois où ils se sont confrontés aux forces occidentales, c'est notamment pour reprendre une usine, une usine de gaz qui s'appelait Konoko, dans la région des Résors, où initialement il y avait des gens d'ailleurs. Mais là, c'était une usine qui était gérée par les Kurdes et donc soutenue par les Américains. Et euh, les Américains, euh, au moment où ils ont vu la colonne euh, de nuit arriver et ils savaient que c'était des Russes, ont appelé l'état-major russe. Et ils ont dit On sait que c'est vos gars, on sait que c'est des Russes. Dites-leur de faire demi-tour, euh, sinon on frappe. Et là, les Russes ont répondu on n'a pas d'hommes en Syrie, sur le terrain. Ils ont été trahis. Là, ils, ils ont trahi leurs C'est là, par exemple, dans notre film, il y a un des mercenaires qui s'appelle Marad qui témoigne Marat. à visage découvert. Marad témoigne à visage découvert justement parce qu'il en a voulu à son pays de, de l'avoir lâché, si vous voulez, d'avoir dit à ce moment-là euh, non, c'est pas nos hommes. Mais c'est un peu l'existence même. Le but de leur existence, en fait, de pouvoir dire, ce n'est pas nos hommes. Oui. Et c'est ce qu'ils ont dit. Et du coup, là, ils ont eu un délige de feu des Américains et il y a eu 200 morts. ça a été un carnage. Donc, euh, évidemment, euh, enfin, là, c'est la seule confrontation directe euh, connue entre les forces occidentales et, euh, et les forces de, de Wagner. Alors, ils interviennent aussi en, en, en Libye. Mm -hmm. euh, et là... Euh... Et là, il, il déploient, et c'est ce que vous expliquez dans, dans, dans votre documentaire Wagner l'armée de l'ombre de Poutine, euh, c'est qu'ils ont des, des infrastructures militaires qui les aident. C'est-à-dire qu'ils ont des transports de troupes, euh, des avions de chasse, euh, des blindés. Euh, vraiment, là, on passe à un degré supérieur. Oui, là, on passe à un degré supérieur. Euh, c'est un tournant, la Libye, parce que… Euh, euh, déjà officiellement, les Russes, parce qu'en Syrie, les Russes soutenaient Bachar el-Assad, quand même, officiellement. Il y a les avions, de, les avions russes qui étaient et qui soutenaient euh, officiellement l'armée de Bachar el-Assad. Euh, en Libye, officiellement, la Russie ne soutient personne. Euh, Vladimir Poutine était ni euh, pro-Haftar, donc le général qui, euh, qui avait travaillé avec Gaddafi, qui se situe à l'est du pays, donc à Benghazi et euh, ni pro-Tripoli, qui est le régime officiellement soutenu euh, par la communauté internationale, qui est le, le régime reconnu par, euh, par la communauté internationale. Euh, donc la Russie ne soutenait personne, sauf que, évidemment, sur le terrain, à partir de euh, juin-septembre 2019, euh, on a vu ces mercenaires, on a surtout vu des snipers, en fait, euh, venir à l'appui du maréchal Haftar dans son offensive sur Tripoli. Il a vraiment failli prendre Tripoli, hein, c'était pas loin. En fait, ce qui a arrêté euh, l'offensive du maréchal Haftar soutenu par les Russes, ça a été les Turcs et les drones turcs qui, eux, sont venus en appui euh, du, euh, du, du gouvernement de Tripoli. De toute manière, tout ça sur la Libye est un jeu quand même Mais... extrêmement compliqué parce oui. que... Les Français ont aussi en sous-main soutenu le maréchal Haftar. On a retrouvé des armes que les Français avaient achetées aux Américains. Enfin, bon, voilà, tout Et il histoire. faut rappeler que les, 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 les navires français ont, ils, euh, sont, ont voulu intercepter des navires euh, turcs qui partaient en Libye pour euh, livrer des armes exactement non, Donc, ça il y a un panier de crâne on va pas oui. jeter la pierre ou <laughs> essayer de refaire l'histoire de la Libye il y a des gens plus bien plus compétents que moi pour vous, pour vous éclairer là-dessus mais en tout cas c'était quand même assez complexe mais là c'est exactement ce que vous avez dit ce qu'il y a d'important dans la Libye dans le tournant pour Wagner c'est qu'on a vu euh, les équipements qu'ils avaient euh, et c'était bien plus important qu'en Syrie. Notamment, on a vu des soukhoïs, C'est-à-dire que pour piloter des avions de chasse, si vous voulez, des avions de chasse russes, c'est impossible si vous n'avez pas à un moment le soutien de l'armée russe. Euh, c'est surtout que dans les bases, on a vu que les mercenaires étaient affrétés avec des avions militaires russes, des avions euh, classiques, mmh. euh, enfin des avions de l'armée... De transport de euh, troupes de, troupe, euh, de l'armée russe. Transport de troupes, voilà. Donc, euh, donc, dans, dans ces matériels-là, on a compris que là, pour le coup, il y avait un appui assez fort. Et en plus, il y a cette vidéo qu'on diffuse dans le film et qui, a déjà un peu fait le tour de, qui avait déjà un peu fait le tour des réseaux sociaux. Mais vous voyez euh, Sergei Shoigu, le ministre de la Défense russe, avec Gerasimov, son bras droit, qui vont rencontrer le maréchal Haftar à Moscou. Et qui est présent à la table des négociations Evgeny Prigogine, hmm. le, euh, le, le, le patron, si vous voulez, de Wagner. Enfin, en tout cas, celui qui le soutient. Les et, euh, et alors là c'est pour la petite anecdote mais c'est assez drôle c'est quand même c'est pour montrer comment marche la Russie quand même. La vidéo a été postée par les services du maréchal Haftar. Donc c'est plutôt une boulette on dirait enfin une erreur quoi qui évidemment a été récupérée tout de suite par les journalistes, les chercheurs et tout. Et donc on le voit. Et donc euh, le porte-parole du ministère de la Défense euh, est interrogé là-dessus, en disant comment ça se fait que Evgeny Prigogine soit à la table des négociations avec le maréchal Haftar. Réponse du ministère de la Défense c'est lui qui s'occupait, c'était lui le traiteur. Parce que la seule société officielle de Evgeny Prigogine, c'est Concord Catering. <laughs> Catering, c'est du, c'est le traiteur en fait, donc ouais. c'est ceux qui font les cantines scolaires. Et du coup réponse, mais c'est normal qu'il soit là parce qu'il s'occupait du, du traiteur ce jour-là. À table des négociations. C'est logique. Vous dites, bah oui, bah bien sûr, c'est connu. Daloyo est toujours à la table des négociations quand on négocie avec les Chinois. C'est connu. C <laughs> voilà, évidemment. Donc, euh, ou le nôtre. Bah, c'est voilà, ouais. exactement. Et ils donc sont donc forts. C'est voilà, pour quand même voir jusqu'où il pousse euh, si vous voulez, le, le, le cynisme. Alors, vous parlez de, de l'Afrique, mmh. euh, territoire euh, de la France-Afrique, euh, en tout cas, euh, où la France avait. Euh, des, des intérêts, il défendait des intérêts. On voit qu'en Afrique centrale, là, euh, le groupe Wagner s'est implanté, il nous a chassé. Alors, ce qui deux, deux questions. En République mais, la... centrafricaine. Comment Et Je dis en République centrafricaine, parce que l'Afrique oui. centrale. A... Oui, excusez-moi, vous avez raison, je me suis mal exprimé. Euh, effectivement. Euh, Est-ce que Poutine nous fait la guerre en Afrique ça, je crois que c'est ouvertement la réponse, c'est oui. Enfin, je, je... À travers Wagner, d'ailleurs. Oui. Déjà, il faut savoir que Poutine, à partir de 2019, a clairement dit que. Enfin, a créé le, le sommet euh, Russie-Afrique à Sochi, dont la deuxième édition a lieu euh, cet automne. Donc, euh, c'est donc, montrer quand même les ambitions de, de la Russie en Afrique. Ça n'existait pas avant. Euh, enfin, ça n'existait pas depuis, des, 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 enfin, depuis que Poutine était au pouvoir. Il n'avait jamais fait ça. Euh, maintenant, euh, évidemment, la, la, la Russie a des intérêts avec euh, l'Asie euh, la, centrale, euh, qui sont très forts, qui sont bien avant euh, euh, l'Afrique. Mais ils essayent d'ouvrir. Essayent d'ouvrir pour une raison principale, déjà, c'est qu'ils ont besoin de matières premières. Ils ont besoin des métaux rares. Euh, en fait, explorer les matières premières chez eux leur coûte très cher, et leur calcul c'est que ça leur coûterait moins cher de le faire en Afrique. Donc, euh, ils, ont besoin de, ils ont besoin de ça, d'or, de, enfin de, de différents minerais. Et, euh, et puis ensuite, l'Afrique est de toutes les manières un continent d'avenir pour tout le monde, vu la démographie, vu euh, l'expansion, le, 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 la croissance euh, du PIB, tout ça, tout le monde a intérêt à être présent en Afrique. Mais donc, ça, c'est vraiment un des axes de développement de Vladimir Poutine depuis 2019. Et en fait, de ce qu'on a pu voir, nous, dans les documents internes à Wagner, c'est que c'est une stratégie qui est pensée sur le long terme. Ça qui est très important, c'est quelque chose qu ils ont, auquel ils ont commencé à réfléchir depuis 2016, 2017. On voit des documents en interne qui datent de ces années-là, où ils disent, à partir de ce moment-là, il faut viser les pays d'Afrique. Mmh. Et ils ont des analyses sur tous les différents pays d'Afrique et ceux vers lesquels c'est le plus facile de s'implanter. Et en fait, ils vont remplacer le vide, si vous voulez. Le vide créé par euh, les puissances, les anciennes puissances coloniales, comme la France ou l'Angleterre, qui petit à petit se désengagent de ces terres. Et aussi... Une autre chose sur, sur la Russie qui est importante, c'est qu'ils il n'arrivent pas en terrain euh, euh, totalement vierge, dans le sens où la Russie avait des relations avec de nombreux pays africains oui. pendant la guerre froide. Et c'est important de le rappeler, parce que par exemple au Mali, les généraux maliens, beaucoup ont été formés en Russie. Ça. Et, et, et donc, si vous voulez, ils n'arrivent pas dans un terrain inconnu. Il y avait déjà beaucoup de gens qui avaient des liens. Euh, euh, voilà, le, 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 Au le... moment de la décolonisation, en fait. De la décolonisation. Et toute cette rhétorique de décolonisation, euh, de panafricanisme, mmh. c'est quelque chose sur lequel la Russie a joué depuis déjà très longtemps. Euh, les proxy wars avec, euh, pendant la guerre froide avaient déjà lieu en Afrique. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On voit ce, ce phénomène réapparaître. Mais en fait, on rejoue. Euh, un peu avec le, le, le mot, me vient en anglais, c'est le playbook, si vous voulez, le, le, la, le, le, les règles du jeu d'il de, 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 y a 40 ans. C'est ça, là, au moment de la libération des, 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 des peuples, la Russie est financée et en fait, Poutine refait un lien avec cette histoire. Exactement. Et par exemple, les gens, quand, les politiques qu'on a pu interviewer en Centrafrique nous disent Mais vous oubliez qu'il y avait déjà une ambassade euh, russe en Centrafrique depuis 40 ans. Euh, euh, donc voilà, il, beaucoup jouent euh, aussi là-dessus. Alors, et, alors, deuxième question euh, à ce sujet, mais, euh, mais nous, on envoyait des mercenaires à l'époque. <laughs> en à Afrique. Quel, avec la, à quelle époque À l'époque de la France-Afrique, de la fin, on a, on a fait des coups d'État, on a fait... Euh, ah oui alors, ah non, mais... De toutes les manières, parler de Wagner, ça n'est pas absoudre la France et les États-Unis. On, on pourrait tout autant parler de Blackwater, qui est une société de mercenaires, qui a franchement tenu l'Irak, l'Afghanistan. Euh, on nous fait souvent ce reproche. Euh, moi, j'adorais faire un film sur Blackwater. On avait voulu en faire un il y a cinq ans. Euh, Eric Prince c'est un personnage fabuleux sur lequel on travaille aussi. Euh, enfin, fabuleux dans le sens mythique, oui, quoi, oui. comme, comme Prigogine. Hein, oui. je, pas d'admiration pour ces gens-là. J'avais compris. Euh, je dis, c'est, euh, voilà, nous ce qui. Et, mais est-ce qu'il y a une différence C'est que les gens, les gens, ne connaissaient pas Wagner il y a deux ans. Oui. C'est pour ça que nous, on a voulu parler de, de Wagner. C'est un sujet qui nous semblait très actuel et qui, et qui nous, nous semblait important pour raconter ce renouveau, ce rebattage de cartes de relations internationales. Donc, c'est pour ça qu'on voulait parler de Wagner. Mais ça n'absout pas ni euh, tous les Bob Donard et tous les et tous les mmh. gens et tous les mercenaires qu'on a pu envoyer en Afrique, ni tous les mercenaires euh, qui existent aux États-Unis, ni les sociétés de mercenaires chinoises qui existent exactement de la même manière. Enfin, je veux dire… Euh, on pourrait décliner, on pourrait faire euh, peut-être un, une série de documentaires sur les mercenaires. Oui, oui. Euh, C'est une bonne idée, mais euh, donc voilà, je, je n'enlève pas la faute. française. Mais, euh, en fait, mais... Euh, mais est-ce qu'il y a une différence? Franchement, je ne connais pas assez les sociétés de mercenaires français pour vous dire s'il y a une différence. Ce que je sais, c'est que de manière globale, mais comme les corsaires sous le temps de Louis XIV étaient des mercenaires, mmh. ce que je sais, c'est que les mercenaires ont tous comme point commun de faire la guerre pour l'argent, euh, ne pas respecter les, le droit de la guerre, parce que par définition, ils n'ont pas de patron et ils ne peuvent pas être jugés. Donc, quand on envoie des mercenaires, c'est jamais bon signe pour la population civile. Ça, c'est une certitude, qu'ils soient français, américains ou russes. Euh, donc, donc je, je ne pense pas que ça a été forcément bien meilleur quand c'était des Français euh, je ne connais pas assez le sujet pour, pour en dire plus mais, mais voilà alors ils nous ont euh, ce, ce groupe Weiner et intervenu au Mali mmh. aussi et a intervenu en ce au Mali ouais. en interne euh, et là aussi, euh, on, on voit cette stratégie, cette planification que vous montrez très très bien dans votre documentaire, comme vous en parliez à l'instant, comment la, la, la Russie, à travers cette, ces mercenaires, on planifie l'attaque et, euh, et le fait qu'ils nous chassent au fur et à mesure. Quoi. Mmh. Et je ne sais pas, il y a des théories de gens à qui j'ai parlé en off qui, qui se demandaient si finalement ça rendait pas service à la France, qui voulait partir depuis longtemps du Mali, de trouver une excuse supplémentaire pour partir aussi vite. Euh, je n'ai pas d'avis sur la question. Euh, je pense que c'est quand même une humiliation euh, d'être remplacé aussi rapidement par euh, des mercenaires euh, russes. Euh, en tout cas, moi, j'ai été surprise parce qu'on les a vus arriver euh, on les avait anticipés, les mercenaires au Mali. Euh, quand. Euh, on a fait nos interviews en Russie en septembre, octobre 2020, au moment où ça a commencé à sortir en France. On avait des mercenaires internes au groupe qui nous disaient euh, que les campagnes de recrutement intenses avaient commencé pour le Mali. Donc on savait que ça allait être début 2022. En revanche, là où j'ai été surprise, c'est que je ne pensais pas qu'ils iraient aussi vite, aussi fort et qu'ils commettraient aussi rapidement autant d'atrocités. Mmh. Je pensais qu'il y avait quand même une espèce de... de... Euh, Je sais pas, de, de, de dire on va quand même vivre un peu caché, on va essayer de redorer un peu le blason peut-être euh, euh, pour montrer qu'on peut apporter quelque chose d'autre à un pays, mais pas du tout, euh, pas du tout. Ils sont allés directement avec les méthodes les plus barbares. La seule chose qu'ils ont appris de la Centrafrique, c'est que au lieu eux-mêmes de torturer les gens, bah, ils disent à des famas, donc des forces euh, maliennes de le faire. Euh, et donc euh, eux, ils sont à côté, ils regardent ils films où, où ils donnent des ordres, mais c'est Peut-être pas eux qui le font directement, même si c'est eux qui donnent les ordres. Okay. Mais, mais j'ai été assez surprise de la violence et de la soudaineté. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi, aussi fort. Et on sait qu'ils regardent évidemment dans d'autres pays. On sait qu'ils ont un Cameroun, en Guinée équatoriale. Euh, ils ils, voilà, ils ne vont, ils vont pas s'arrêter là. Et c'est ça aussi qui m'a surpris, c'est que je pensais qu'avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y allait peut-être avoir un peu une halte sur les opérations africaines. Et pas du tout. Pas du tout, du tout. La seule chose qu'ils ont faite, c'est de déplacer quelques commandants qui savaient se battre euh, en Afrique, qui savaient bien se battre, qui sont chez Wagner depuis longtemps. Ils les ont envoyés en Ukraine parce qu'ils ont recruté massivement pour l'Ukraine. Ils ont recruté ce qu'ils appellent des bleus, quoi, ceux qui ne savaient pas encore se battre. Et du coup, ils ont eu besoin d'avoir des commandants qui pouvaient euh, les diriger. Donc, ils ont déplacé quelques commandants. Mais ils n'ont pas du tout déshabillé Paul pour habiller Jacques, si vous voulez. Ils ont continué à mmh. maintenir leur, leurs effectifs en Afrique. Ils continuent à maintenir leurs offensives. Et surtout, ils cherchent toujours de nouveaux pays de développement. Alors, vous montrez. Euh, bon, rappelons qu'il y a un massacre. Vous parlez des massacres. Et au Mali, un village avec 200 personnes qui a été massacré il n'y a, a pas si longtemps que ça par euh, ce groupe. Amoura. Euh, comment Amoura. Amoura. Mmh. Euh, et, et, et vous montrez dans votre film. Alors, c'est assez marrant. Euh, marrant étonnant, c'est que quand ils se baladent dans les villages, ils sont masqués. pour pas qu'on les reconnaisse, en fait. Toujours. C'est ah, fou, quoi. Qu ils, 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 en, ils anticipent le fait qu'ils ils font des choses qui sont répréhensibles, donc ils se cachent. Et alors, il y a plusieurs choses que je peux vous dire là-dessus. La première, c'est une interview qu'on n'a pas montée euh, de la ministre des Affaires étrangères centrafricaine. Euh, et quand je lui dis, mais on est bien d'accord que c'est des Wagner qui se battent en Centrafrique, elle me dit... Euh, ah non, non, pas du tout. Moi, pour moi, c'est des Russes. Je sais pas, c'est pas du tout les Wagner et tout. Je dis mais pourquoi ils veulent se cacher comme ça Me dit mais ils se cachent pas. Je dis mais pourquoi ils ont tous des masques ils Me dit parce que vous savez, il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de poussière dans le pays. Dit, attendez, donc ça veut dire que tous les gens dans la rue, personne n'a de masque, les seuls qui portent des masques, c'est des Russes. Elle me dit oui parce qu'ils sont très sensibles à la poussière. Eh, voilà. C'est le COVID. C'est le Covid, voilà, donc ça, voilà, ça c'est la raison euh, numéro un, je vous, vous l'ai dit, si un jour vous avez l'occasion de parler avec quelqu'un, vous aurez forcément cette réponse, c'est vraiment intéressant comme réponse, euh, c'est un peu comme, du même niveau que Prigogine qui est là pour faire le traiteur, si vous voulez. et l'autre chose, c'est qu'il y a eu un tournant, en fait, dans l'organisation de Wagner, ça a été, euh, dont on parle dans le film, mais pas pour ça, ça a été le, le crime de guerre en Syrie, en Syrie, euh, ils ont torturé un, un homme euh, qui était un déserteur de l'armée de Bachar al-Assad. Ils se sont filmés Et la vidéo sort sur les réseaux sociaux. Et en 2018, le journaliste Korotkov a réussi, grâce à d'autres, euh, grâce au CIT grâce à d'autres personnes, à identifier euh, ceux qui ont commis ce crime de guerre, ce qui a permis de déposer une plainte. Euh, à Moscou, bon, qui n'a mené à rien, hein, mais il y a une plainte qui a été déposée avec des noms de personnes, parce que vous ne pouvez pas déposer une plainte pour crime de guerre si vous n'avez pas le nom de quelqu'un qui serait responsable de ça. Et donc, c'est la première plainte qui a été déposée là-dessus. Euh, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où cette vidéo est sortie sur les réseaux sociaux, ce que des gens de Wagner nous ont expliqué, donc gens en interne, c'est qu'il y a une sorte de service de sécurité qui s'est créé chez Wagner. Et, euh, et des règles extrêmement simples, mais euh, appliquées de manière draconienne et euh, très importante, c'est que plus personne n'a le droit d'avoir un téléphone portable. Mmh. C'est-à-dire que dès que vous rentrez dans l'organisation, vous allez à Molkino, vous n'avez pas le droit d'avoir de téléphone portable. Vous devez effacer tout ce qu'il y a sur vos réseaux sociaux. Donc, le Facebook russe qui s'appelle Frontact euh, VK. Mmh. Euh, vous ne postez rien et vous n'avez pas le droit d'être en communication avec votre famille. Alors, évidemment, ils trouvent tous des moyens pour acheter des portables localement, tout ça, mais ils arrivent à des situations ubuesques où, si vous voulez, ils sont dans des pays, ils n'ont même plus, comme vous, le Google Maps pour se, 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 se repérer dans l'espace. Et c'est absurde, on n'a plus rien quand on retourne dans les années 90, donc c'est fou, mais euh, c'est devenu assez draconien. Et le... c'est pour ça qu'il y a très, très peu d'images de leurs crimes aussi qui sortent. C'est qu'en fait, ils ne se filment presque plus. Alors, vous avez sur les groupes Telegram, ils arrivent à se prendre en photo finalement avec leur portable, puis à envoyer ça une fois qu'ils sont rentrés. Mmh. Mais il y a quand même très peu de médias et il y a un service dédié à ça, dédié à vérifier que vous ne publiez rien, dédié à vérifier que vous ne prenez pas de téléphone. Euh, voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous dis le, le côté euh, se masquer, oui. faire attention. C'est vraiment pour qu'on ne puisse pas remonter nominalement jusqu'à eux. Et la troisième chose, c'est que quand vous rentrez dans la compagnie, euh, on vous donne un nom. C'est votre nom de guerre. Par exemple, Marat, c'était Died, le grand-père. Euh, on vous donne chacun un nom de guerre. Et ce qui fait que les autres personnes avec qui vous êtes sur le terrain ne connaissent même pas votre vrai nom. Si. Donc, vous avez un numéro de matricule et vous vous appelez, euh, bah, moi, je pourrais être la blonde ou la nana aux lunettes. ou, euh, vous, ou vous avez ça, mais vous n'avez pas votre vrai nom parce que du coup, même entre eux. Quand Nous on les interrogeons en disant, mais est-ce que c'est bien lui ton chef? Mais eh il ne peut pas dire. Il dit, euh, mon chef, c'est euh, le grand-père, mon chef, c'est euh, le faucon du désert, mon chef, c'est un genre, mais même lui pour identifier ensuite. Parce qu'on a tous essayé de faire ça, de remonter après il y a des techniques, mais d'essayer de remonter des certificats d'essai, des choses comme ça pour essayer de, de, de retrouver l'identité des gens. Et en fait, même ça c'était compliqué à partir de 2018-2019. Alors vraiment, on est euh, et vous le montrez bien euh, dans, dans votre documentaire entre le groupe armé, la mafia euh, et euh, une grosse organisation. Quoi. Parce que vous vous montrez dans votre documentaire qu'il y a un groupe de communication euh, intégré. Et, et c'est est... important, est important de, de souligner ce que vous avez dit, c'est une mafia. Hein. Ouais. C'est-à-dire que euh, Wagner, c est, c est... Donc déjà, c'est dirigé par un mafieux. Euh, et c'est un système qui est là pour s'enrichir. Il y a un triptyque. On le rappelle dans le film, mais c'est très important parce que beaucoup de gens l'oublient. C'est combattre, s'enrichir, désinformer. C'est les trois les trois choses clés de Wagner. Euh, là, j'ai pas encore lu l'article, mais je crois qu'il y a un très bon article qui vient de sortir sur les dernières opérations de désinformation sur l'Ukraine. Euh, tout ça, c'est Wagner aussi. Euh, c'est à dire que c'est pas que combattre, c'est pas le but, c'est combattre, mais c'est aussi s'enrichir en se servant sur la bête. C'est les mines d'or, c'est les douanes, c'est tout ce que vous pouvez non, trouver. On, on négocie des contrats pour se faire payer. payer. Voilà. Euh, et on n'est enfin, pas là pour la beauté du geste. Hein. On n'est pas là mmh. parce qu'on croit à la démocratie et qu'on euh, a envie de sauver contre les terroristes. Non, mmh. on s'en fout complètement. Euh, on est là parce qu'on gagne de l'argent. Et, euh, et un, une des autres choses aussi, c'est désinformer. La désinformation, c'est pour lutter pour la grandeur de la Russie, tout ça. Euh, mais mais c'est important parce qu'à la tête, il y a un mafieux et il n'y a rien de tout ça qui est gratuit. Et combien coûte tout ça Vous avez pu quantifier ou vous avez une idée du coût mensuel ou annuel d'une telle organisation Non, le, les seuls qui ont sorti des chiffres, c'est les services de renseignement américains qui disent qu'au Mali, ça coûterait 10 millions de dollars par mois euh, la ah, force d'intervention. Ah oui, ouais, c'est énorme. Il faut sortir de l'or. En – fait, Oui, ça. oui. Là, entre le Mali, euh, la Syrie, ouais. la Libye. Euh, euh, et aujourd'hui, combien ça de, de personnes ça représenterait approximativement euh, Parce que j'imagine qu'il n'y a pas un registre sur lequel vous êtes tombé. Non, euh, bah, il y a les services de renseignement ukrainiens qui ont tenu à jour pendant longtemps une, une liste des gens de Wagner qui sont venus se battre euh, sur le territoire ukrainien. Euh, C'est eux qui étaient euh, très largement en pointe. Euh, en fait, on estime, alors avant le conflit en Ukraine, on estimait qu'il y avait 10 000 hommes qui étaient passés par l'organisation et euh, 5 000 qui étaient actifs. Mm. Euh, depuis ce chiffre, il euh, y a eu le développement du Mali et l'Ukraine. Mm. Et on sait qu'ils ont cherché à recruter activement, on pense qu'ils sont à peu près 1 000 en Ukraine et un peu plus de 1 000 au Mali. Donc, <coughs> je ne pourrais pas vous dire… Euh, mm. voilà Il n'y a pas de science exacte entre 5 000 et 7 000 hommes. C'est ce énorme pour une armée, ouais. armée. enfin Je veux dire, de nos soldats en l'opération Barkhane, je ne sais plus, mais je crois que c'est 4500 Oui, c'est hein. ouais, ça. ça. Voilà. Euh, alors, l'Ukraine, euh, effectivement, on en parlait tout à l'heure, il venait d'en faire référence. Ils sont repartis. On a dit que pour un moment, euh, c'était le groupe Weiner qui devait tuer le chef de l'État. Bon, J'ai vu que sur des plateaux de télé, vous avez dit, en tout cas, vous avez apporté un bémol à cette version euh, entre guillemets euh, officielle. Euh, mais en tout cas… Ils étaient là pour déstabiliser pour vous. Oui, et mais ils sont pas re, quand vous dites repartis, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en Ukraine. Oui. oui. Oui, ils sont ils sont en Ukraine. Euh, ils, ils étaient dans la région de Kiev et euh, ils sont dans le Donbass. Et sûr. Ils y sont tout le temps restés depuis 2014. Oui. Ah d'accord. Excusez-moi. Ils sont jamais repartis. En fait, c'est ce qu'on pour le coup on se tue à dire tout le temps quand les gens disent oh là là il y a des gens de Wagner en Ukraine et tout mais ils y sont depuis 2014 en Ukraine. Il n'y a pas de voilà, euh, là, ils sont arrivés beaucoup plus en nombre. Euh, avant, ils s'occupaient de la police militaire euh, dans, euh, dans le Donbass, euh, quand il y avait la guerre du Donbass. Mais ça a toujours été un lieu de recrutement pour eux, un vivier de recrutement. Euh un endroit où ils étaient et là depuis le début du conflit oui ce qu'on nous a confirmé à peu près 850 900 hommes à Kiev et dans le enfin dans la région de Kiev avant et puis maintenant en Donbass sûrement à Mariupol et c'est des hommes en fait qui combattent évidemment avec l'armée russe c'est pas des hommes qui peuvent combattre en autonomie ils n'ont pas les matériels ils n'ont pas les équipements ils ont pas euh, euh, voilà ils, ils servent plus si vous voulez de chair à canon quoi on les envoie euh, en avant, en amont des positions, l'armée russe a, euh, a des tanks, mais ils ont peu de fantassins. Euh, et du coup, en fait, ces hommes-là servent de fantassins, ils servent de forces vives. Donc, euh, c'est eux qu'on recrute pour envoyer prendre des positions, et puis derrière, il y a l'armée régulière qui arrive. Euh, donc, euh, oui, oui, ils combattent, ils combattent toujours là-bas. Et euh, évidemment, du coup, pour prendre les positions, donc déstabiliser. Donc, oui, potentiellement, il y avait des saboteurs, il y avait peut-être des gens qui venaient d'Ankiev. Moi, je jamais cru à la version 400 hommes lâchés dans Kiev pour tuer euh, Zelensky. En tout cas, nous, on n'a jamais eu cette information. Alors, quand euh, vous avez un nombre de documents euh, euh, très intéressants, des interviews, on parlait de Marat tout à l'heure, mais des personnes qui sont en interne et tout, euh, on parlait d'un un système mafieux, un une organisation mafieuse, euh, est-ce que vous avez eu peur pour vous Est-ce que vous avez peur aujourd'hui pour vous non, aujourd'hui, on n'a plus peur pour nous parce que le film est sorti et que, enfin, je veux dire, s'il avait dû nous arriver quelque chose, ça aurait été avant la diffusion du film. Euh, moi, j'ai plus peur pour Ksenia Bolshakova, qui est franco-russe, euh, qui a un moment de retourner en Russie où il y a une partie de sa famille. Donc, euh, voilà, là, effectivement, ça sera un moment de stress euh, et euh, surtout avec le conflit en Ukraine qui s'est déclenché avec... Énormément de journalistes indépendants ou de journalistes plutôt libéraux qui ont dû partir de Russie vu les nouvelles lois qui sont passées le 4 mars 2022. Donc oui, ça, je pense qu'il y a plus d'inquiétude là-dessus. Maintenant, sur est-ce que nous nous arrivait quelque chose à Paris Non, on n'était on pas très inquiète. On, on a pu être intimidés. On a pu nous faire comprendre qu'on nous surveillait. Euh, mais de là à ce qu'on s'en prenne physiquement à nous, qu'on nous tue, ça n'a pas été notre, vraiment notre, notre crainte. Euh, en Centrafrique, on a eu beaucoup plus euh, peur, pour le coup, euh, parce qu'on a eu des menaces beaucoup plus directes. Euh, et donc, euh, quand, euh, quand on a senti qu'on avait ce qu'il fallait, on est parti euh, un peu plus vite que prévu. Vraiment, je, je ne peux que recommander euh, ce documentaire, euh, Wagner, l'armée de l'ombre de, de Poutine, avec Kenya Bolchakova. Kenya <laughs> Bolchakova. Euh, merci, Alexandra. Je sais, bravo. Euh, vous m'avez dit tout à l'heure que votre documentaire aujourd'hui était diffusé dans 17 pays. Ouais. Bravo. Euh, ouais. Il n'est plus diffusé sur le, le site de France Télévisions, mais sur le, le site du, du producteur, Kekapa. Euh, non, malheureusement, c'est un lien privé que je vous ai envoyé. Ah, je... c'est un lien privé. <laughs> bon, ah ben, oui, alors voilà. comment ils peuvent faire euh, Comment peuvent faire euh, les gens ben, Je ne sais pas. Je crois qu'il sera en vente, en replay, euh, dans, un, dans un certain temps. Et puis, il va être dans les festivals. Il y aura le FIGRA au mois de juin. Il y aura euh, peut-être euh, d'autres festivals au mois d'octobre, novembre. On verra. Donc, euh, en tout cas, il y aura ça. Et puis, il sera sûrement rediffusé sur France Télévisions. Et bah, donc, en tout cas, fait... je l'espère. Et vous avez fait un travail extraordinaire. Aujourd'hui, on ne parle plus que de, de Vayner, ouais. partout sur toutes les chaînes de télé. Et c'est bien grâce à vous et à votre travail et à votre enquête qui est incroyable. Merci, Merci en tout beaucoup. cas. Merci à, à vous. Bientôt à et bientôt. Prenez soin de vous en tout cas. Merci. Au revoir.